سامية معطوب موجودة معنا اليوم من فرنسا، طبعا سأطرح عليها الأسئلة بالفرنسية، الإجابة ستكون بالفرنسية أيضا، وبعد ذلك سنتحدث أو سأعطي ملخص بسيط باللغة العربية للذين لا يتقنون اللغة الفرنسية. لميا معطوب، بونجور، بيانفوني دون نوتر إميسيون قضايا رياضية. بريميرمون، أو إيتو مانتونون فو كو Vous avez disparu des radars récemment. Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau et ceux qui vont nous regarder. Je suis actuellement en France. Effectivement, j'ai disparu complètement des radars algériens. J'ai été, juste après les Jeux Olympiques, j'ai eu un véritable dégoût pour le sport de haut niveau. Ouais. Et du coup, j'ai décidé du jour au lendemain de tout stopper. Et voilà pourquoi vous ne me voyez plus. Ouais. C'était pour des raisons personnelles ou bien c'était parce qu'il y avait des trucs que vous avez vécu avec l'équipe nationale, la sélection nationale du karaté pendant les Jeux Olympiques, plutôt. Est-ce que c'était ça le problème ? Eh bien, écoutez, ça faisait déjà quelques années que je subissais malheureusement des stratégies un petit peu de bâton dans les roues de la part de la fédération. Donc, il y a eu plusieurs présidents qui se sont succédés. Mais il y a eu vraiment les deux derniers mandats où ça a été très compliqué. Les Jeux Olympiques, pour moi, ont été le summum de ce qui pouvait être acceptable. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant ma carrière, j'ai eu plusieurs entraîneurs nationaux avec lesquels ça s'est très bien passé, sans aucun souci. J'ai toujours essayé de rester à ma place, surtout sachant que je viens de France et que je sais que pour les autres athlètes, ça peut être très compliqué. J'ai toujours préféré faire patte blanche auprès de tout le monde pour que personne ne pense qu'on fait du copinage ou qu'on me met en avant parce que je vis en France. J'ai toujours fait les championnats d'Algérie, je les ai toujours gagnés pour pouvoir partir en sélection, pour qu'il n'y ait personne qui puisse dire quoi que ce soit sur mes sélections. Et ça, j'y tenais réellement. Et en fait, malheureusement, au fur et à mesure, quand on voit qu'on ramène des médailles, quand on voit qu'on est dans le top en termes d'athlètes en Algérie, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on a tellement peur de nous, tellement peur de ce qu'on peut dire, tellement peur de ce qu'on peut passer comme message, vu qu'on est amené à passer à la télé quand même assez régulièrement, que du coup, on nous met des bâtons dans les roues en nous disant bah, tant qu'ils ne vont plus faire de résultats, personne ne va les appeler dans les médias et donc ils ne pourront plus parler. Donc l'objectif, c'est de ne pas avoir des athlètes de très haut niveau au sein de la fédération, c'est juste d'avoir des athlètes plus ou moins moyens, qui font plus ou moins des résultats pour quand même montrer au niveau de l'Algérie, au niveau politique algérien, que le karaté est quand même là. Mais pas trop, parce que sinon les athlètes peuvent avoir trop d'ailes et dénoncer ce qui se passe. Je viens aujourd'hui parce que j'en ai fini avec ma carrière de haut niveau et je ne veux plus que ça se reproduise pour les prochaines générations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on va avoir une stratégie d'isolement. Donc moi, j'étais très proche de Camélia Hepside, que vous avez reçue, et on était clairement les deux athlètes qu'on mettait le plus de côté. C'est-à-dire qu'on ne nous appelait pas pour les entraînements. J'étais capitaine de l'équipe nationale pendant quasiment toutes mes années où j'étais en équipe. Et du jour au lendemain, on m'a balancée devant tout le monde. Tu n'es plus capitaine de l'équipe. Ce n'est plus à toi qu'on va donner les informations pour les donner aux filles. C'était une autre fille de l'équipe qui recevait les informations. Mais du coup, cette fille-là ne me donnait pas l'information parce qu'on l'obligeait à ne pas me transmettre les informations. Donc, je ne savais pas quand on s'entraînait. Je ne savais pas à quelle heure était ma compétition. Si je ne me tenais pas informée de ce qui allait se passer, je n'étais pas au courant. Voilà. Okay. Donc, ça, c'est une première chose. Enfin, ouais. J'ai eu des personnes dans les tribunes qui venaient me voir de France qui ont entendu l'ancien, pas le directeur technique actuel, je crois que c'est une femme d'ailleurs, mais l'ancien, ouais. Qui a dit ouvertement devant tous les athlètes « Ah, il y a la mère qui combat, c'est son premier tour, elle est contre le Kenya, elle va perdre au premier tour. » Enfin, j'étais quand ça, même ça, double médaille mondiale. Ça s'est arrivé réellement, Lamia. Ça s'est arrivé dans les tribunes. Tout à fait, dans les tribunes, avec les athlètes qui étaient là, des coachs de l'équipe nationale qui ont entendu, et malheureusement des proches à moi qui ont entendu aussi, qui ont été très choqués, qui ont dit « mais en fait, elle est double médaillée mondiale, elle est contre une athlète du Kenya qui est très bien, hein, il n'y a pas de souci de ce niveau-là, mais il y avait quand même un monde d'écart entre elle et moi en termes de capacité. » Mais c'est pour vous dire à quel point on nous met dans des situations où on est en stress permanent, parce qu'en fait, on nous met le poids
Déjà, on a déjà le poids du pays sur nos épaules parce qu'on a à cœur de faire résonner l'hymne national sur le podium. Ouais. Mais on a aussi la pression des dirigeants qui, en fait, veulent vous voir perdre complètement. Et puis, moi, malheureusement, j'avais une très mauvaise relation avec l'entraîneur national qui s'appelait Madame Zigawa. Ouais. Kaisa. On ne s'entendait pas. Donc voilà, c'était tout le monde qui était au courant. Elle ne m'aimait pas. Moi, du coup, par conséquent, je ne l'appréciais pas non plus. Donc à sa décharge, je pense qu'elle passait de très mauvais moments non plus aussi avec moi. Donc c'est pas, là, franchement, c'est pas personnel vis-à-vis d'elle. Franchement, j'ai rien à lui reprocher. Elle a été un entraîneur. Elle m'a entraînée. J'ai fait ses entraînements. Il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Néanmoins, on ne s'appréciait pas. Donc c'était ouvert. Tout le monde okay. le savait. Okay. À cette compétition-là, justement, j'avais demandé à ce que ce soit son adjoint qui m'entraîne, qui est Monsieur Altman, qui a été son adjoint pendant une courte période, que j'apprécie énormément, que je trouve est très pertinent en tant qu'entraîneur. Il me fait beaucoup penser à mon entraîneur en France, qui est vraiment un talent, je trouve, qui a un talent pour le karaté. Donc, je lui passe le bonjour s'il regarde cette émission-là. Ouais. Et réellement, j'avais envie que ce soit lui qui m'entraîne et qu'il soit sur ma chaise parce que lui avait vraiment envie de me voir performer. Ouais. Et mais en fait, selon, elle a complètement selon, refusé. Lamia, selon les règles de la Fédération internationale de karaté do, c'est légal, c'est tout à fait légal. Complètement, en fait, il ouais. était entraîneur, il avait passé l'examen pour être sur la chaise, donc il n'y avait pas de souci. La seule chose, c'est que Madame Zigawa lui a refusé de venir sur ma chaise en lui disant que s'il venait sur ma chaise, ça se passerait très mal pour lui, sachant que c'était son adjoint, c'était elle qui avait le pouvoir de décider. Très bien. Donc voilà un peu comment est-ce que ça se passe. Donc, et puis par contre, quand on devait tirer en équipe, j'étais la capitaine cette fois-ci, hein. Sur le terrain, j'étais la capitaine. Ouais. Les filles étaient un petit peu autour de moi. J'essayais réellement d'être comme je l'ai toujours été, donner les indications aux filles, les motiver et être tout ensemble pour la performance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a été championne d'Afrique, on a gagné les Jeux africains à de multiples reprises en équipe. On a toujours fait des résultats, on a battu l'Égypte ouais. à de nombreuses oui, reprises, qui était championne ouais. du monde. Et c'est à partir de notre génération, c'est à partir de mon équipe à moi, qu'on a commencé à faire ces résultats-là en équipe, où l'Algérie a commencé réellement à avoir une stature internationale, alors qu'avant, on ne le faisait pas. Ou ça remontait il y a très très longtemps. Donc en fait, on était vraiment sur un regain avec une nouvelle génération qui arrivait à battre les Égyptiennes n'importe où et même chez elles. Ouais, ouais. Donc vous avez parlé au début du copinage. Est-ce que vraiment c'est le cas dans l'équipe nationale? Eh bien, écoutez, chez les filles, je ne l'ai pas trop vécu parce que, en fait, peut-être à un moment donné, mais c'était très, très court, mais chez les garçons, beaucoup. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir une équipe alignée au championnat du monde et quelques mois après, une nouvelle équipe en championnat d'Afrique. C'était très, très, très tournant et pourtant, ce n'était pas forcément les personnes qui avaient gagné au championnat d'Algérie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que en les faisant, les championnats d'Algérie, je découvrais toujours de nouvelles personnes en championnat. Parce que vu que je ne m'entraînais pas toute l'année en Algérie, j'arrivais pour les championnats d'Algérie, donc je voyais qui était classé. Et j'arrivais ensuite en stage, et des fois, je voyais des gens complètement différents que je ne connaissais pas, mais bien sûr que j'arrivais à connaître et qui étaient très bien d'ailleurs. Enfin, je trouve qu'en Algérie, on a un très grand vivier, vraiment. Les gens, peut-être, qui vont m'écouter ne se rendent pas forcément compte, parce que moi, j'ai aussi la comparaison avec la France. Je trouve qu'en Algérie, dans chaque catégorie, il y a énormément de talent. Très bien. Donc ouais. ça, c'est indéniable. Maintenant, quand je vois certaines personnes en équipe nationale, je pense qu'elles n'ont pas leur place. Ah, donc, pour moi, c'est complètement du copinage, complètement. La sélection actuelle, Lamia, ou bien pendant votre époque? Pendant mon époque, chez les garçons, chez certains garçons. Et la sélection actuelle, je ne la comprends pas non plus. Après, il y a des gens que je ne connais absolument pas. Bon, après, je me suis retirée il y a quand même un an et demi maintenant. Mais c'est bizarre qu'on passe de « je connais tout le monde » à « je connais personne », hormis, bien sûr, certaines têtes que je vois et qui sont là et qui ont le mérite d'être là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même lors de ma génération, on a tout fait pour me sortir de l'équipe nationale et heureusement que le ministère ait été là. En disant, mais où est Matoub en fait dans votre liste, parce que là on ne la voit pas. Donc c'était répétitif à plusieurs fois, ils essayaient de vous écarter de l'équipe nationale pendant des années, oui. Et à la fin c'était les Jeux Olympiques, vous avez ras-le-bol et vous avez quitté la sélection. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'aux Jeux Olympiques,
ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais le droit de venir avec mon entraîneur. Ouais. Et donc, il y a eu des élections qui se sont passées juste avant. Et Madame Zegawa avait pris le parti de notre nouveau président. Ce qu'il faut savoir, c'est que le président, donc Monsieur Yacine Gouali, a été le premier entraîneur qui m'a sélectionné en équipe nationale. Ce qu'il faut savoir, c'est que je l'avais vraiment en très haute estime, parce que ça a été mon premier entraîneur et ça a été celui qui m'a ouvert les portes de l'équipe nationale. Ouais.